Good morning, allez, Iden, les sujets aujourd'hui, le Nishmat, Claudine Srag, Ben Fortune Mazal, Richard Aaron, Ben Fortune Mazal, Norbert Avraham, Ben Fortune Mazal, et Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Zachar Tzedek Levracha. Nous étudions aujourd'hui Maseret Taanit, Perek Gimel, Mishnah Bet. Yardou litzmachim, avalo yardou lailan. Lailan, velo litzmachim. Laze velaze, avalo la borot, vela shichin vela maharot. Matrein Alehem Miyad. On avait appris dans la mission précédente que tout le rituel des 13 jeûnes, en commençant avec 3, qui vont s'intensifier avec 3 de nouveau, et lorsque ça traîne les pluies, traîne toujours à venir, 7, ça c'est que lorsque c'est juste les pluies, les premières pluies qui traînent à commencer à venir. Parce que ça arrive, on est encore peut-être dans le cours naturel, il y a peut-être ici un message du ciel, donc on fait tchouva. C'est des Mishnayot merveilleuses en fait, entre parenthèses. Nous apprendre à vérifier, voir avec toutes les misères qui peuvent se produire, voir la main d'Hachem et réagir en fonction. Là maintenant, on a commencé à expliquer déjà dans la mission précédente que des situations, c'est le signe que Min HaShamayim, on n'est pas content de nous. Si on n'est pas content de nous, c'est pour ça qu'on est puni. Et il faut faire tshuva depuis tout de suite. Avec la totale, donc Matrin Alen Miyad. Et là, tout de suite, on tire toutes les alarmes, on va faire les grosses tfilotes avec le chauffard et les ajouts dans la mida. Maintenant, la Mishnah m'apprend encore une nouvelle configuration, une condition. Yardou les tzmachim, avallo yardou laïlan. Si toutefois il y a eu assez de pluie pour les tzmachim, pour tous les végétaux de la terre, avallo yardou laïlan, mais il n'y a pas eu assez pour les arbres. Ou bien, inversement, laïlan, velo les tzmachim, il y a eu assez d'eau pour les arbres, mais il n'y a pas eu assez d'eau pour la verdure qui aura du sol. Et on a besoin de tout, bien évidemment. C'est deux sortes de pluie. La pluie qui tombe pour les racines des arbres, c'est une pluie qui tombe forte. Elle s'appelle dans la Torah Yoré. C'est Yoré, comme on dit en hébreu moderne, Yoré contient une iria. On vise. Ça vient avec toute la force et ça rentre bien dans la terre profondément. La pluie plus singulière pour les tzmachim, les végétaux, la verdure, ou même aussi les céréales, c'est le même principe. Alors c'est une pluie plus douce. Elle arrive comme une sorte de crachin qui reste autour du fruit, qui se fait bien imbiber dans le fruit, elle ne rentre pas en profondeur dans la terre du tout, elle n'a pas d'intérêt pour les arbres, mais elle a un grand intérêt pour les petits végétaux, pour les fruits de la terre. Et donc ça, c'est Yardou, et ça s'appelle Malkosh dans la Torah en fait. Malkosh, plusieurs interprétations dans la Gemara, soit Malé, Kash, c'est Mémalé, ta Kash, ça remplit les épis de blé. Le Kash, c'est la paille, ça remplit la paille. D'accord? Et donc, il y a eu assez de pluie pour une sorte, mais pas assez de pluie pour l'autre sorte. Pourquoi ça traîne à venir? C'est que Min HaShamayim, on n'est pas content de nous. De nouveau. La zeb elle a ou bien eu de la pluie pour les pluies, pour les arbres et pour les végétaux, mais quoi? Qu'est-ce qu'il n'y a pas eu? Avalo les borot, les shichinu malarot, mais il n'y a pas eu suffisamment pour remplir toutes les puits. Alors les puits, il y a les puits qui sont creusés sous la terre, et les puits qui sont shichinu. Cette fois-ci, c'est creusé, mais c'est couvert. Et mes arot, si je ne me trompe pas, c'est le puits, mais qui est au-dessus de la terre. On a pris des briques, on les a imperméabilisées, et puis on a rempli de l'eau là-dessus. D'accord? Donc, il y a en tout cas, c'est là-bas, concrètement, c'est là-bas la citerne d'eau où on stocke l'eau pour ensuite l'utiliser pendant l'été, pour boire, quand il fera bien chaud. Eh bien, il n'y a pas eu assez de pluie qui est tombée pour ça. Eh bien, Matrine, allez, Enmiyad, directement, tire toutes les alarmes, comme dans la mission précédente, on fera tout de suite tout le rituel des derniers taniotes. On jeûnera 3 fois, comme si vous avez précisé le tour, en fait, il l'a dit. Et on jeûnera bête et bête, yom sheni chamishi sheni. Et puis on fera un jeûne avec toute la force, et les tfilotes, et les pleurs, et la tchouva aussi. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov.